Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo relooking dans laquelle la première personne qui a été sélectionnée est Emma la Swag 1-2-3, donc petit auto en même temps, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre pseudo de votre movie star si vous souhaitez peut-être apparaître dans une de mes vidéos relooking. Donc à chaque fois je tire 3 personnes sur ma dernière vidéo relooking pour la prochaine vidéo relooking. Donc là on va créer un look à Emma la Swag qui est niveau 12, qui est non VIP. Je sais pas, je pense pas qu'elle aura beaucoup d'affaires, donc j'espère qu'on trouvera quand même quelque chose pour elle. Et là vous pouvez constater un look assez fête, assez festif, assez voilà. Et vous me connaissez, vous savez que j'aime bien faire du coup tout l'inverse, essayer de faire un look différent. Donc là on enlève tout. On commence d'abord par lui trouver une tenue. Voilà, je commence toujours par ça. Faudrait peut-être que je commence par autre chose une autre fois. Ah, écoutez, j'aime bien ce haut. Bah tiens, avec la petite veste en jeans. Ah, quoique, non. Mais la veste en jeans me plaît bien. Un truc peut-être un peu plus casual, du coup, pour faire un peu la différence avec la fête. Et attendez, celui-ci me plaît bien aussi. Ah, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça je valide. Bah elle a peut-être qu'au niveau 12, mais elle a déjà de très belles affaires. Je valide. Mais écoutez, on va rester là-dessus. On va voir si on peut lui trouver un jeans. Ça, j'aime bien. J'aime encore mieux. Ça va mieux avec la couleur du jeans. Parce que c'est un peu plus foncé. Ça va. Mais j'aime bien quand même. Avec les fleurs, ça change. C'est original. Ça change. Mais la couleur, elle est trop... Il y a une petite nuance de couleur comme ça. Ah, peut-être celui-ci. Ouais, non, celui-là, il est encore mieux. Non, bah on va rester sur celui-ci. De manière, il n'y a pas de troisième page, pardon. Pour les chaussures, des baskets simples, j'aurais préféré en noir pour faire un rappel avec le débardeur. Après on peut partir là-dessus, ça va aussi, ça passe. On va voir quand même s'il n'y a pas des baskets noires. Non, ben, on va rester sur des talons quand même. Ça fera casual, mais casual chic. Casual chic. Et écoutez, on va mettre quelque chose peut-être de blond châtain, blond foncé. Ouais, j'aime bien cette coupe là. J'aime bien cette coupe là. J'ai ni pas envie de la changer, mais on va regarder quand même par curiosité s'il n'y a pas autre chose. Moi j'aime bien comme ça. Bah oui. Oh. Bonjour toi. Voilà, ça je valide. Ça c'est une de mes coupes favorites du game, donc on va valider celle-ci. On va quand même essayer d'accessoriser le tout. Avec des lunettes. Avec des lunettes, ça passe quand même. Hein. Je valide les lunettes, mais on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre plus loin. Petit piercing. Ouais. Petite casquette. J'aime pas quand les cheveux dépassent de la casquette, ça me dérange. Mais je trouve que ça lui va bien. Pour être honnête, je trouve que ça lui va bien quand même la casquette. Hein. Petit bandana, on va tester. Mais non, on va rester comme ça. Bah écoutez, moi je valide ce look comme il est. La quinzaine, elle est passée par là. Moi j'aime bien le look là. La quinzaine est passée par là. Avec le petit smiley. Voilà. Et le deuxième candidat est un garçon. Donc oui, je vous l'ai dit que je prenais au hasard dans les commentaires. Par contre, cette fois-ci, j'ai un petit peu forcé le destin pour être honnête. Et j'ai pris le premier garçon que j'ai vu dans les commentaires qui est Recep 215. Vu que je prends au hasard et que vu qu'on est une majorité de filles, donc je vous l'avais déjà expliqué mais je vous réexplique puisque j'ai toujours pas mal de commentaires qui me parlent de ça. Je prends au hasard 3 personnes dans les commentaires, que ce soit filles ou garçons. Bien sûr, les garçons peuvent participer, je rappelle. Mais effectivement, vu qu'on est une majorité de filles, je pense qu'il y a 9 filles qui participent pour un garçon. Donc c'est forcément plus facile de tomber sur des filles que des garçons, même si voilà, c'est le hasard qui fait les choses. Là, j'ai forcé le destin, je suis honnête, j'ai forcé le destin, voilà. Et merci à Starbucks pour la salutation. Oh, j'aime bien sa peau. Ouais, je me l'achète. Peau violette comme ça, ça fait genre trop beau avec avec la salutation, c'est la peau de la couleur de la salutation. J'aime bien. Et merci à toi Starbucks pour la salutation, merci beaucoup. C'est super gentil, merci. Et attends, on profite pour envoyer le petit auto également. Et on va aller faire le look juste ici. Un petit look, créer un nouveau look. Et c'est parti, donc il est au 21, donc je pense qu'il doit avoir quand même pas mal d'affaires. Et on va aller voir ça ensemble. Bon, il est tard, hein, mais je lag quand même. Bon, voilà, je suis désolée, je ne pourrai jamais rien faire contre les lags.
Mais on va essayer de... Ouf, oh lolo. Ça, il faut que je me l'achète aussi. Je l'ai toujours pas acheté. Il faut que je me l'achète. Donc je rappelle pour les personnes qui veulent le haut et le bas là. Du coup, les filles ont le bas. Les garçons, ils ont le haut. Si vous voulez, il faut utiliser la technique pour envoyer au sexe opposé. Donc c'est possible de se l'envoyer grâce à une technique. Voilà, voilà. Donc on va le mettre à poil, notre très cher Coupang. Il va être à poil, je suis désolée pour toi, mais bon, t'as voulu participer. C'est le but du jeu. Bon, après j'ai envie de te dire, hein, toutes les movie stars se ressemblent à poil. Là, c'est vrai que t'as un visage atypique, un maquillage atypique. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi de faire un look qui correspond avec le maquillage. On va quand même essayer. Je vais pas mettre le look avec... alors pour ceux qui ne connaissent pas, si j'appuie là-dessus, vous voyez, ça va briller. Vous voyez, c'est comme des LED. Du coup, je ne dis rien. Je ne vais pas le faire. Enfin si, je vais quand même vous dire pourquoi je vais pas le faire. Mais parce que je suppose que voilà, le look là, il doit être fait et refait en ce moment avec... vu qu'on est dans l'air du temps, et moi j'aime bien quand même chercher un peu plus original. On va chercher un petit peu plus loin. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. On va peut-être prendre ce là. Il va falloir trouver un pantalon qui correspond avec. Quoique ça doit pas être si difficile, un pantalon bleu ou bleu foncé, enfin bleu marine. Et ou blanc, ça correspondrait bien. Non, pas le truc du poulet, hein. Pas abuser non plus, hein. Tu te calmes. Non, on va pas mettre celui du lapin. Alors, attendez, celui-là correspondrait à la limite, même si la couleur, elle match, elle est plus blanche que les manches. Mais on trouvera rien d'autre. Il n'y a pas de bleu marine qui correspondrait avec le haut-là. Donc, on va rester sur ce pantalon-là. Au niveau des chaussures, on va mettre cela. Je rigole, mais je suis limite prête à laisser cela. Mais on va quand même descendre en bas. On va voir ce qu'il y a. Peut-être cela. Parce que bon, les lacets bleus sont un petit peu trop clairs par rapport au haut. Mais ça match encore, ou des criperettes blanches, ça passe aussi. Ouais, les criperettes. Celles-ci correspondent quand même. Et ça correspond pas mal. Ça correspond encore mieux, cela. Ça correspond encore nickel. Pour les cheveux. Alors, pour les cheveux, que mettre? Ah. Attends, j'ai envie de tester ça. Ah, c'est flippant. Mais ça lui va bien. C'est flippant, mais ça lui va bien. On va voir quand même ce qu'il y a plus loin, hein, parce que bon, on va pas s'arrêter au premier choix. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, j'aime bien. On va rester sur cette coupe-là. J'aime bien cette coupe-là. Faudrait que j'achète la même pour limonade. Elle aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'avons-nous? Qu'est-ce que nous allons ajouter? Est-ce que si je rajoute ça... Ouais. J'ai peur que si je clique là, ça va enlever le haut. Mais non, ça passe. Et ça passe. Peut-être la casquette comme ça en branchement avec les cheveux qui dépassent, ça me dérange. Ouais, bah de toute façon avec toutes les casquettes ça va faire pareil. Mais voyons voir. Dommage qu'il n'a pas le chapeau là, mais en blanc ça irait tellement bien. C'est vrai qu'au niveau des accessoires, à part mettre des accessoires au niveau de la tête, on peut pas mettre grand chose de plus. Puisque là les bras sont recouverts, les jambes sont recouvertes, là il a déjà un collier qui est avec le haut. Donc on va pas en rajouter un, mais là si on continue, je ne vois rien qu'on pourrait ajouter, alors que je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Bah tiens, peut-être ça. Voilà, comme ça c'est unicorne. Et la couleur, ça correspond quand même. Ça aussi ça passe, c'est un peu plus original peut-être même que la corne. La corne de licorne. Que j'arrête. Vous devez tous connaître cette musique, on est d'accord. Et là, si on met ça. Ah, bah ça fait un ange. Ça va bien en plus. Bah écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. On va lui laisser la prout. Le cercle d'ange. Je sais pas comment on a un anneau, un cercle, bref. On va rester sur ce look-là, j'aime bien. Ça change en tout cas de son dernier look, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça change de son dernier look. Et la quinzelle est passée. Par là, bonjour. Et pour la troisième candidate de cette vidéo et la dernière, et c'est Guépard 76. Donc on va lui envoyer un petit auto et on va aller lui créer son look. Donc à niveau 16,
Je pense qu'il y a quand même quelques affaires. On va aller voir ça ensemble. De toute manière, on va découvrir ça ensemble. Et c'est parti pour le look, le dernier look de la vidéo. Donc je rappelle, pour participer, il vous suffit de mettre votre pseudo en commentaire de à chaque fois la dernière vidéo relooking, parce que à chaque fois je prends 3 personnes de la dernière, étant donné qu'entre temps peut-être qu'il y a des gens qui ne sont plus sur la chaîne. Donc c'est toujours la dernière vidéo qui est prise en compte, les commentaires de la dernière vidéo relooking. Et c'est parti pour le look de guépard. Hop, j'ai du mal à lui enlever, ça je pense que le piercing... Ah non, c'est un piercing qui a été ajouté. Faudrait que je m'achète un piercing, je sais même pas si j'en ai un, en vrai. Ok, je crois qu'elle avait un look assez... Oh, j'adore. J'adore cette veste aussi, j'adore tellement de choses, là je ne sais pas. Mais ça c'est original, parce que ça j'ai jamais vraiment fait de look avec ce genre de veste là, donc peut-être partir sur cette veste et trouver quelque chose qui conviendrait avec... On va aller chercher, on va regarder ensemble. Ça c'est sympa. Mais ça fait pas trop avec, avec la veste rouge. Hein. Je suis pas super fan de l'ensemble. J'aime bien les deux séparément, mais ensemble ça fait... Attendez, quoique là j'ai vu quelque chose. Ah j'aime bien, mais pas avec le truc rouge quoi. Oh. Attends, y a pas autre chose sinon... Non, le jaune ça irait pas avec. Aïe aïe aïe, c'est juste là que le blanc ça me dérange que ça dépasse. Mais en soi ça va encore, mais on va aller voir plus loin quand même. Il y a quand même des trucs assez original également. Oh ça j'aime bien, attendez, j'ai envie de tester. Bah écoutez, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Limite on n'a pas besoin de mettre de bas parce que je crois que ça fait un combi short déjà. Hein. À la limite trouver un sorte de collant, leggings ou quelque chose. Après on peut essayer un pantalon. Mais ouais le pantalon il va en dessous. Il va en dessous, j'ai peur que le collant fasse pareil à moins qu'on le trouve en accessoire. De toute manière il n'y a pas... On va regarder pour mettre une coupe. Pareil, là, pour la coupe, il va falloir trouver quelque chose de... Qui fait bien, quoi. Qui vient vers le devant, je pense. Ça va être compliqué, la coupe. Hein, ça va être compliqué. Quelque chose qui corresponde, qui rentre là-dedans, à moins qu'on trouve quelque chose de, aux cheveux courts. Ça va être dur. Ça va être dur. À la limite, ça, comme ça, on voit peut-être pas les cheveux, mais ça fait bien quand même. On va regarder un petit peu. Ça, ça passe. Ça, ça passe encore, même si ça fait un petit peu chelou. Mais ça passe quand même, donc on va... Attendez, on va tester ça. Non, je préfère l'autre. Je préfère celui-ci. Et pour les chaussures, parce qu'on a, on a zappé les chaussures, mais c'est vrai que les chaussures-là, elles correspondraient bien. Bien partir sur des baskets. Mais ceux-là, elles iraient bien. Ceux-là aussi. Mais ouais, non. Ceux-là, ouais, non. 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 La fille qui se parle toute seule, bon, c'est un peu le cas dans toutes mes vidéos. Hein. Et on va finir avec les accessoires. Non, ça le fait pas. Peut-être ça, j'aime bien ça. Moi, j'adore ces tatouages. En vrai, j'en ai des comme ça, mais je les ai toujours pas mis. Ce sont des faux tatouages, bien sûr. Hein. Ici, on va tester de mettre ça. Là si c'est sur les cheveux c'est mort dans le game. Oui c'est sur les cheveux mais on les voit pas. Donc je vais même pas pouvoir les retirer sinon j'ai enlevé le haut. Voilà pour un petit peu mettre du charbon dans les yeux. On adore. Et quatrième page, de toute façon c'est la dernière page. Bah écoutez on va valider comme ça. C'est juste au niveau des cheveux. Je suis mitigée mais sinon le look général me plaît bien. Et on va marquer, attends pas, 15L. C'est la 15L. Et passer par là. Voilà. Donc, fin de la vidéo. J'espère... Bah, dites-moi lequel des 3 looks vous avez préféré. Vous me le dites pas souvent, hein, lequel vous préférez. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas de me dire lequel vous avez préféré. Bah, moi, j'hésite entre... Bah, je pense le premier, quand même. Hein, le premier, celui qui m'a le plus plu. Et moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.